Mes chers amis, bonsoir, bonsoir les Gilets jaunes, bonsoir les Gilets jaunes, ravis de vous retrouver comme tous les soirs. Un bonjour rapide à Alexis Lecric, à Ginette Riester, Olivier Anaël, Rafik Toumi, Nabiha Saidi, Sylvie Le Sage, Francis CH et un petit blocage au passage. Merci de m'aider hein, en vous manifestant à chaque fois les trolls, avec vos insultes et vos incompréhensions habituelles. Bonjour aussi à Didmuslim sur VK. Hop. Alors mes chers amis, il euh, y a plusieurs sujets, et une fois n'est pas coutume, j'essaye de faire des lives courts, je n'y arrive jamais. Donc euh, beaucoup de sujets euh, vont vont être malheureusement éliminés euh, alors pour aller à l'essentiel pour aller à l'essentiel euh, pour revenir sur ma vidéo d'hier qui est très importante parce que si elle arrive dans les mains de Macron si ce n'est pas déjà fait euh, moi c'est le pari que je prends c'est à dire que euh, c'est Macron lui-même qui nous sauvera qui corrigera enfin le tir, chose que tous les présidents précédents, y compris euh, les rois et d'autres euh, civilisations, n'ont jamais réussi à faire. Donc voilà, je lui ai donné assez d'éléments, il a assez d'éléments autour de lui pour qu'il ouvre les yeux, ça ne peut provenir que de lui. Euh, S'il ouvre les yeux sur euh, ses, euh, sa fausse famille, ensuite euh, sur ses faux amis ensuite sur ses faux euh, collègues euh, professionnels euh, et toutes les personnes qui lui ont été bien entendu euh, présentées par ces trois cercles alors je suis persuadé que le euh, le salut euh, viendra de par macron lui-même euh, s'il ouvre les yeux il lui reste encore environ deux ans de règne il sera en capacité de, euh, de faire cette première historique euh, de neutraliser neutraliser tous les ennemis de la nation et de l'humanité de façon générale, ceux qui complotent en secret et ceux qui l'ont manipulé lui et plein d'autres autour de lui qui sont manipulés et qui le manipulent en permanence. Euh, revenons, revenons très 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 rapidement. Euh, je sais c'est extrêmement passionnant donc et de toute façon on peut avoir plusieurs lectures euh, dans les signes qui sont donnés hein, euh, au travers de plusieurs supports, plusieurs éléments. Euh, donc revenons sur cette fameuse couverture de euh, 2017 que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors nous pouvons mieux lire parce que après avoir vous avoir fait euh, ces lectures là, y compris les gilets jaunes, donc euh, ils se sont plantés parce qu'on a récupéré le mouvement. Eux ils l'ont initié donc pour la TIPP et toutes les taxes. Euh, que ce soit sur l'essence ou ailleurs, y compris le CICE, qui est euh, un contrefeu utilisé souvent. Vous remarquez que la femme des 33, qui fait partie euh, du clan manipulé par les services secrets, le clan Rodrigue, qui est tombé sur Macron à Bordeaux à parler du CICE comme étant le problème fondamental. Vous remarquez aussi que le gamin qui a abordé Macron pour lui dire euh, coucou Manu, les deux gamins lui ont parlé du CICE. Donc ça c'est un, un petit jeu entre eux, vu que c'est abstrait et que Macron peut toujours dire et à juste titre que euh, c'est François Hollande le responsable du CICE. Je vois que ma connexion est attaquée, mais vous savez très bien que la vidéo en intégralité sera sûrement YouTube. Comme celle d'hier, je vous invite vivement à aller la regarder, elle est très importante, sûrement YouTube. Donc la lecture d'après, ici pareil, ils ont échoué. Ils ont créé toutes les orchestrations au travers des différents actes. Pour nous faire croire que c'est l'apocalypse dehors sur les Champs-Élysées et ailleurs et nous avons réussi à chaque fois avec nos décryptages à les démasquer et à vous montrer que c'est pas du tout euh, comme c'est présenté le... ce n'est pas du tout l'apocalypse. Alors ici, voici la lecture que je ne vous ai jamais fait. Donc ici, euh, c'est l'infini mais ce chiffre est très important. Le chiffre 8, lorsque vous vous le mettez donc euh, euh, à la verticale, euh, le chiffre 8 est très important. On le trouve euh, dans la vitesse du sang et la vitesse de la lumière. Le chiffre 8 est très important et lorsque il est euh, à l'horizontale, il indique l'infini. Ici nous pouvons. Imaginez que ce personnage est Macron. Donc Macron qui vit dans une bulle, au travers de cette réalité virtuelle, ce casque de réalité virtuelle, et euh, il est piloté. Et donc il crée, au travers de ce que de la bulle autour de lui, les, les bulles successives. Il crée notre euh, notre réalité quelque part au travers de ses euh, orientations majeures et de sa politique. En revanche, ici c'est très important. Donc, euh, euh, pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos précédentes, j'avais fait une analyse où j'avais montré euh, que Merkel faisait beaucoup plus ce fameux signe de la pyramide lorsque les deux se sont rencontrés, euh, donc pour le sommet sur le traité euh, d'aix-la euh, chapelle. et effectivement, il y a un problème avec ce, ce traité. et le seul à résoudre ce problème, je le répète, c'est une personne, emmanuel macron. Euh, parce que euh, euh, il y a un problème fondamental avec angela merkel. nos pauvres amis allemands. Euh, feront visiblement encore les frais euh, des manipulateurs qui entourent leurs gouvernants. Donc Angela Merkel est à fond dans le truc, le signe l'a fait quatre fois, Macron l'a fait timidement euh, deux fois. Euh, donc voilà ces trois personnes sont vraiment des personnes euh, dangereuses. Euh, donc euh, tous ceux qui appellent à la destitution effectivement, il y en a qui ont en euh, projet euh, d'installer l'une des deux Le Pen, et là c'est danger. Euh, D'autres, euh, constitutionnellement parlant, le deuxième personnage de, euh, de l'État qui prendra si jamais il y a destitution à la place du président de la République, c'est le président du Sénat qui est une catastrophe absolue. Euh, donc l'archer est une catastrophe absolue. Dans tous les cas, nous sommes perdants. La seule issue pour moi, la seule stratégie, c'est de miser sur l'éveil de Macron lui-même. Euh, donc, voilà, là il, il s'agit euh, des élections européennes. Donc, seul Macron peut comprendre euh, que l'Europe euh, est un désastre et que euh, les dirigeants de l'Europe sont manipulés et que nous ne pouvons dans, dans l'état actuel ouvrir les yeux à tout le monde, c'est pourquoi il doit nous protéger, la France, et il doit euh, prendre une certaine indépendance. Alors ici, euh, effectivement, à la fin, la star, c'est des personnages euh, inconnus, et nous avons donc une étoile filante. Cette étoile filante peut être Emmanuel Macron. C'est possible. Donc, il y a... Euh... Alors, pour parler euh, de ce que vous m'avez vu faire aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai clairement euh, nommé un chat un chat. Euh, concernant tous ceux qui appellent ou qui ont appelé ou qui continuent à appeler à la destitution de Macron, je, je les catalogue sans tourner autour du pot dans les traîtres à la nation, les traîtres à la patrie, les traîtres à la France, les traîtres aux vrais gilets jaunes. Euh, et donc j'ai exclu définitivement les gilets jaunes constituants avec lesquels j'ai été sur le terrain j'ai essayé tant bien que mal de, euh, de récupérer, de convaincre. Euh, ils sont pas mal infiltrés, pas mal baladés. Il euh, y a eu même euh, une espèce de, de... on va dire de, de réaction... Euh, euh, allergique lorsque j'ai parlé de la pédophilie au sein de la franc-maçonnerie et j'ai presque pas pu placer un mot avec cette personne qui me rappelait le discours euh, officiel habituel sur la pédophilie soi disant euh, dans, euh, dans l'église catholique qui serait euh, supérieure à tout autre donc euh, euh, autre autre lieu mais ce n'était pas euh, ma seule déception donc j'ai par la suite essayé tant bien que mal y compris avec des communications de euh, leur ouvrir les yeux il n'en est rien il euh, est clair et net on peut pas continuer comme ça donc euh, là j'ai bloqué beaucoup de monde aujourd'hui et ce n'est pas la peine de continuer à vouloir euh, me convaincre ou me parler d'union ou quoi que ce soit on ne peut pas s'unir avec des personnes avec des idiots utiles on peut pas s'unir avec euh, des euh, des personnes manipulées c'est soit vous me suivez soit écoutez chacun son chemin n'essayez plus de partager vos publications ou vos lives sur mon groupe et vice-versa euh, alors pour parler euh, globalement stratégie j'ai ma propre stratégie vous l'avez remarqué et compris depuis euh, le début que vous me connaissez euh, vous avez vu que tout ce que je vous ai indiqué était vrai était vrai tous mes décryptages étaient vrais euh, vous pouvez remonter à ma vidéo du 27 novembre. C'était mon premier live. Hein, J'étais pas très à l'aise. Et vous verrez que mon analyse était la bonne. Je vous ai averti sur le RIC. J'avais raison. Je vous ai averti sur les faux gilets jaunes. J'avais raison. Euh, et donc je vous avertis sur plein d'autres choses. Y compris ceux qui suivent encore euh, ceux qui appellent à la destitution de Macron. Je vous ai aussi indiqué que la personne avec laquelle euh, j'étais à l'aise, la seule, la seule, la seule, oui, la seule, euh, était euh, Eric Fioril, donc avec euh, son mouvement euh, le CNT, le Conseil National de Transition. À l'image de ce qui a été créé en Libye. Euh, je vous ai indiqué que peu importe les critiques contre lui, ce qu'il fallait, c'est aller regarder ce qu'il dit. Beaucoup d'entre vous ont regardé son message et ses messages sur sa chaîne YouTube démo Sophie et sont revenus vers moi pour me remercier parce qu'ils ont quand même trouvé beaucoup euh, d'intérêt beaucoup de choses euh, intéressantes dans son discours donc euh, Eric Fioril que je considère comme un frère un frère d'armes politiques euh, n'appelle pas n'appelle pas à la destitution de Macron il appelle à son arrestation la nuance est importante, les amis. La nuance est importante. Euh, nous avons donc, comme toujours, la même ligne avec Eric Fioril, la, ligne, la même analyse de dire euh, Emmanuel Macron euh, a été manipulé, installé par des entités. Euh, non patriotique et euh, infiltré en France et ex extérieurs des entités extérieures, sur ce constat, sur cette, an cette analyse, nous n'avons jamais eu euh, de différence. En revanche, euh, il s'agit d'une différence sur la stratégie. Euh, donc, la stratégie de Eric Fioril, c'est d'arrêter tous les protagonistes de ce désastre français et pas que d'aujourd'hui, depuis toujours, depuis des siècles, cette franc-maçonnerie, y compris Macron, et ensuite, par un Conseil national de transition, mettre en place la euh, la relève la suite ma stratégie il n'y a pas vraiment de d'antagonisme et de position entre eric Fioril et moi même ma stratégie c'est de parier parier sur emmanuel macron c'est de parier sur lui et si, Emmanuel Macron arrive à ouvrir les yeux alors alors et c'est déjà arrivé dans l'histoire, il y a déjà eu des arrestations massives ordonnées par à l'époque le pape et le roi contre la franc-maçonnerie, et c'est pourquoi ils se sont vengés, et c'est pourquoi ils n'aiment pas le chiffre 13. Vous ne trouverez pas de chambre 13 dans les hôpitaux ni dans les hôtels. Parce que ce jour... Euh, ils ont été pourchassés. Euh, donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire la même chose, il ne s'agit pas de mettre le pays dans une guerre civile et de créer un bain de sang, ni non plus de, euh, je sais que c'est une image, de couper la tête du roi à nouveau. Le roi a encore été manipulé, l'histoire se répète. Mais aujourd'hui, il faut parier sur le roi. Donc le roi, s'il ouvre les yeux, je prends le pari qu'il procédera aux arrestations nécessaires seul. Il faut lui faire confiance. Cet enfant de mon âge, avec lesquels ils ont joué, je pense que s'il ouvre les yeux, il ne leur pardonnera pas. Donc voilà euh, ce que je vous propose aujourd'hui. Toutes les autres stratégies, toutes les autres personnes, tous les autres gilets jaunes vous emmèneront droit dans le mur, mettront notre pays dans le chaos. Je vous propose de choisir entre ma stratégie de parier sur Macron ou la stratégie de mon frère Eric Fioril de procéder à des arrestations contre tout le monde. J'estime que les deux, euh, encore une fois, sont euh, intéressantes. Pour ma part, je vais continuer à défendre ma stratégie. Euh, voilà, ceci étant dit, je pense que la clarification euh, de ma part est en ne peut plus nette et limpide. Ce n'est pas la peine de venir me voir dans les jours à venir pour me, me reparler encore et encore, que ce soit des Gilets jaunes constituants ou d'autres j'ai trouvé une technique vraiment euh, productive. C'est euh, dès que je vois qu'au deuxième, troisième message, la personne euh, est là pour répéter à l'infini le même discours, je la bloque. Et je vous assure, c'est c'est beaucoup mieux que de s'acharner à vouloir convaincre des gens qui sont là pour vous fatiguer psychologiquement ou pour vous pour jouer avec vous euh, ce jeu euh, de l'idiot utile qui veut euh, qui veut imposer sa bêtise voilà alors euh, je note, et vous avez dû le noter, alors avant de passer à ça, restons sur Emmanuel Macron. Euh, alors, Benalla Gate, ben je vous ai donné donc la lecture, et je vous la redonne avec un élément nouveau. Euh, donc ce scandale, bien entendu, euh, est utilisé pour jouer avec Macron euh, donc y compris par la, un des protagonistes c'est-à-dire Ben Il ils jouent tous avec Macron pour lui faire peur faire peur au roi il joue avec lui y compris lorsque il lui mettent des faux gilets jaunes avec des fausses revendications pour le perdre pour lui faire peur et euh, on ne peut pas continuer comme ça. Euh, Emmanuel Macron, comme moi-même, comme vous aussi, vous pouvez faire l'expérience, ne peut pas euh, être responsable de tout et ne peut pas euh, avoir la main et la maîtrise sur tout. Il est obligé de déléguer. J'ai moi-même mis en place plusieurs systèmes pour déléguer des travaux et à 90% j'ai été déçu et même des fois trahi. Je vous le dis clairement, j'ai pris beaucoup de monde, j'ai créé plusieurs un système pyramidaux, que ce soit des groupes Messenger, des groupes Facebook, et la conclusion est souvent la même, 90% de personnes qui vont finir tôt ou tard par vous trahir, ou par rouler, encore une fois, pour... Euh, pour d'autres idéologies ou d'autres stratégies, mais euh, sans être sincère avec vous euh, et sans, encore une fois, euh, se rappeler euh, que le plus important, c'est quand même la fidélité. Donc j'invite toutes celles et ceux qui vont me contacter dans les jours à venir pour me proposer euh, de me rejoindre, de m'aider. Je les invite à réfléchir sérieusement. Soit vous avez foi en moi et en ce que je dis, et en ce cas-là, normalement, ça devrait aller. Soit si c'est pour jouer, venir déglaner des, euh, des informations ou espionner ou euh, je ne sais quel autre objectif, euh, ce n'est pas la peine. Ceux qui ont, encore une fois, leur propre stratégie, leur propre vision, ex exposez-vous exposez-vous, euh, c'est trop facile encore une fois de, de passer par d'autres pour ensuite euh, critiquer. Exposez-vous, euh, montrez votre visage, euh, prenez des risques et euh, il n'y a pas de souci, le but c'est ça, c'est que tout le monde euh, prenne des initiatives. Euh, aussi, ceux qui m'envoient des vidéos encore une fois de militaires, qui se cache soit dans une bagnole, soit derrière une caméra, etc. Ce n'est pas la peine. Je les regarde même pas. J'estime que quelqu'un qui témoigne montre son visage et n'a pas peur pour son identité. Nous ne pouvons plus marcher dans les espèces de témoignages anonymes. Je sais que dedans il doit y avoir du vrai, mais il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de manipulations. Déjà, à visage découvert, c'est extrêmement difficile de décrypter une manipulation donc ne perdez plus de temps avec moi les personnes qui veulent faire le bien comme votre serviteur comme d'autres et eh bien vous savez ce qui vous attend vous serez euh, vous serez étranglé par le système vous serez euh, pourchassé mais euh, c'est c'est le prix de de, de la justice c'est le prix de de la sincérité c'est le prix de l'humanité l'humanité envers les autres et donc soit vous en payez le prix d'accord vous, vous vous montrez votre visage et vous montrez ce que vous avez au lieu de jouer le jeu j'ai des dossiers etc vous montrez euh, soit ce n'est pas la peine de continuer à faire des vidéos et que d'autres personnes en tout cas les personnes ce n'est pas la peine de me les envoyer alors, le jeu donc euh, s'éclaircit autour de, de benalla encore une fois pour impressionner pour faire peur à macron et pour l'affaiblir le, le déstabiliser encore une fois pour arriver à leur fin parce qu'ils attendent beaucoup de choses de macron et je vous avais donné depuis très très longtemps mon intuition qui se révèle être bonne c'est que euh, euh, Macron, effectivement, euh, les embête parce qu'il traîne des pieds sur plusieurs sujets. D'autres personnes comme Hollande auraient déjà déclenché la guerre depuis très longtemps. D'ailleurs, Hollande n'a pas arrêté de s'en prendre aux Russes, euh, y compris euh, un geste impardonnable de ne pas livrer les frégates qui étaient déjà réglées et de, la, de les filer après à, à, à l'Égypte. Je veux dire, ça, c'est impardonnable. Hollande, tu iras direct en prison. Alors toi, c'est sans négociation. Tu as fait un désastre et tu, tu continues, tu crois pouvoir encore piloter en coulisses, euh, piloter l'enfant Macron. Euh, donc voilà. Regardons donc cet article du monde. Comment l'Elysée a fait diffuser un montage vidéo trompeur pour tenter d'excuser Alexandre Benalla. Comprenez que quand on dit l'Elysée, on va voir ensuite dans le détail, c'est quand même pas Emmanuel Macron, mais c'est quelqu'un euh, qui travaille donc euh, autour de lui. Et comme je vous ai dit à chaque fois, le problème est là. Donc pour défendre Benalla après les révélations du monde, l'Elysée a utilisé une vidéo de la préfecture de police obtenue illégalement et ajoutée des images d'une autre scène de violence avant de les diffuser anonymement sur Twitter. Voilà ce qui est important et voilà le coupable. Je voulais déjà je vous en ai déjà parlé, longuement, j'ai fait une vidéo très détaillée, il n'est pas le seul, il sont plusieurs hein, dans le coup autour de lui. Là, ils partent les uns après les autres, mais est-ce que ce n'est pas pour se recycler ailleurs euh, Donc, Macron, c'est urgent que tu ouvres les yeux. Il va falloir arrêter ces gens. Donc, dans la nuit euh, du 18 au 19 juillet, un vent de panique saisit l'Élysée. Ismaël Emelian est chargé de la communication de crise et prend en main la riposte avec... Deuxième personne. Sibeth Ndié, chef du service de presse de l'Élysée. Donc voilà, les responsables de, de cette de fuite, ce, de ce maquillage, sont là. Effectivement, à chaque fois, euh, la personne qui est euh, mise en cause, c'est Macron. Alors oui, il y a une responsabilité dans le choix de ses collaborateurs mais lorsque vous comprenez ce qui est arrivé à Macron c'est à dire que il baigne dans une bulle et qu'il ne peut pas non plus euh, dans euh, on va dire 100 000 personnes qui l'entourent euh, les, les essayer tous pour ensuite sortir de cette bulle et aller choisir des personnes de valeur ça, il faut en avoir conscience. Donc Voilà. Pour donc contrer le, le scandale, voilà ce qui s'est passé. Pour cela, le conseiller du président Ismaël Emelien a son idée. Utiliser des images et les faire diffuser par des comptes militants. Il se charge lui-même de les trouver, puis de les transférer dans la matinée du 19 juillet au responsable de la riposte d'En Marche. Encore un protagoniste. Pierre le texier, via Telegram, une messagerie, une messagerie cryptée privilégiée par les macronistes pour la riposte, car elle permet un relatif anonymat. Je vous rappelle que. Telegram et aussi la messagerie favorite de Daesh et d'autres groupes terroristes. Monsieur le Texier dispose en effet de plusieurs comptes Twitter, dont un anonyme qu'il a créé début 2017. Début 2017. Macron n'était pas encore président. Donc, French Politique, qu'il va privilégier. Et puis pour, euh, pour euh, encore une fois donner une justification qui n'en est pas une, il dit je ne voulais pas que les journalistes fassent le lien avec moi et qu'ils me demandent pourquoi nous défendions Benalla, explique-t-il devant l'IGPN, ce qui est euh, absolument pas convaincant. Voilà. Donc, euh, je vais essayer de finir, je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. J'aimerais finir sur une note positive pour une fois qu'il y en a une. Euh, donc suivant j'avais fait un live cet après-midi qui n'est pas passé parce que euh, je n'avais pas euh, donc de réseau dehors.. Euh, en revanche, j'ai aussi euh, des enregistrements donc dehors, D'hier et, euh, et d'avant-hier. Alors, le live d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu que le live, à l'instant, je suis en train de le voir, a été coupé en deux. Euh, le live actuel, euh, c'est dû à des problèmes, encore une fois, de connexion. Donc voilà le live de tout à l'heure, mais vous l'avez déjà peut-être regardé juste pour vous montrer euh, l'état euh, l'état du ciel. C'est merveilleux. Vous savez, depuis trois jours, je redécouvre avec bonheur les nuages. Des vrais nuages, des beaux nuages. Je vous assure que... Dans mes souvenirs, la dernière fois que je les ai vus, c'est dans les dessins animés. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas vu des nuages bien bombés, bien avec les... Comme dans notre enfance, avec la forme des animaux. C'est enfin, génial. C'est génial. Donc là c'était aujourd'hui. Euh, alors la vidéo est entrecoupée. Il y a des bugs. Voilà. Voilà euh, le type de ciel qu'on peut avoir. Elle bug beaucoup, elle bug beaucoup la vidéo. Voilà. Regardez. Juste parfait. Aucun trait, aucun chemtrails. Rien. Regardez. Ça existe. Et eh oui. Un ciel bleu. Bien bleu bien lumineux et un soleil qui n'est pas masqué par les chemtrails pour nous mettre en dépression pour ensuite nous envoyer vers les Médoc vers Big Pharma vers les hôpitaux psychiatriques les hôpitaux psychiatriques qui sont tenus par une nébuleuse et vous pouvez euh, faire un lien direct direct encore une fois, entre les faux gilets jaunes démasqués et euh, les métiers des hôpitaux. Euh, le premier métier qui revient, c'est aide-soignant. Pensez à ce que je vous dis. Il y a également un lien direct euh, entre des manipulateurs manipulés et l'Amérique latine. Euh, ces origines-là reviennent euh, avec insistance. Donc il doit y avoir du recrutement qui est fait là-bas, euh, vu qu'il euh, y a des politiques euh, familiales qui sont pratiquées, euh, comme ce qu'ils qu essayent de faire en France, pour mettre la main donc sur des personnes. Euh, là c'est mon chien Yori Yoyo, -yo, pour mettre la main sur des personnes donc seules et euh, Influençable. Voilà. Donc il y a ensuite plusieurs méthodes pour, euh, on va dire, euh, donner une identité à ces personnes. Plusieurs méthodes, dont une à laquelle le public. Euh, ne pense jamais qu'il y ait la politique familiale dans notre pays. Et oui, Et oui il y a plusieurs euh, personnes, majoritairement euh, des femmes, euh, que ce soit d'Amérique latine ou d'ailleurs, qui arrivent, donc c'est tout à fait normal, à séduire donc des hommes français pour ensuite, donc une fois qu'elles qu ont fait euh, un enfant, c'est mathématique en France obtenir la garde et l'enfant et euh, à, vu que c'est systématique lors des, des séparations et des divorces euh, elles se sont elles se seraient elles se seront plaintes de violences conjugales euh, le système français donc protège ces femmes euh, sans encore une fois euh, euh, nécessité de, de, encore une fois, de d'enquête approfondie, contradictoire. Et euh, dans le 95% des cas, ces personnes arrivent à obtenir le sésame de la nationalité française par ce biais-là, parce que la France euh, estime que euh, ces femmes euh, ne sont pas, on va dire, n'ont plus vocation à quitter le pays, euh, qu'elles ont besoin de protection ici contre euh, son propre citoyen, mais euh, dans leur pays d'origine. Voilà, c'est un peu bizarre, ça peut être dans un sens logique, mais vu euh, l'utilisation perverse qui en est faite, euh, ce n'est plus acceptable. Et donc j'ai un exemple très précis, hein. mais euh, il est trop tôt aujourd'hui pour en parler. J'ai même la lettre d'un père suicidé qui expose tous les faits que je vous ai donnés et qui nomme euh, des personnes nommément, des magistrats, et, et il met nommément des personnes en cause. Bravo pour ce témoignage qu'il a laissé euh, avant de partir. Donc cet homme euh, s'appelle Florian Robardet. Cet homme était un informaticien au ministère de la Défense, un fonctionnaire d'État qui a été noyauté, éliminé par, par le désespoir et par le fait qu'il a été privé de sa fille. C'est inacceptable, mes chers amis. C'est inacceptable. Cet homme, bien entendu, je, vous, je viens de vous le dire, fonctionnaire ministère de la Défense, donc. Euh, Forcément euh, jamais eu affaire à la justice ou voilà ça ça ça, ça, ça tombe ça tombe sous le sens eh oui, eh oui, il y a un désastre qui a été fait dans ce pays. les institutions ont été infiltrées, la magistrature les hôpitaux pour nous tenir nous empoisonner. Et si jamais on détecte que nous sommes en train d'ouvrir les yeux, moi j'ai essayé d'avertir à l'époque euh, Jacques Chirac, j'ai terminé, pareil, ils ont essayé de m'enfermer comme ils ont fait là, il y a six jours, c'est leur technique, d'accord Ils ont infiltré toutes les institutions essentielles, la santé, la justice, les médias, ils ont infiltré... Euh, l'éducation nationale, le boulot va être gigantesque, gigantesque. Et d'après moi, stratégiquement parlant, il n'y a qu'une personne qui pourrait le faire, c'est Emmanuel Macron. Alors, je prends le pari et je vous invite, donc, si vous me suivez, à le prendre avec moi qu'Emmanuel Macron finisse par ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait parce que là encore une fois euh, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil euh, trois jours sans chemtrails c'est quand même extrêmement positif à moins que ce soit une décision encore une fois euh, militaire de euh, d'arrêter les chemtrails et de s'opposer donc euh, à, à ce que euh, ont réussi euh, à faire euh, les alliés euh, américains et d'autres euh, à faire croire que euh, ce serait bien pour nous de balancer des chemtrails euh, pour sauver je ne sais quoi la planète etc. Alors que euh, ces chemtrails contiennent des nanoparticules ce qui permettra à l'avenir à l'intelligence artificielle de... Euh, euh, ces chemtrails masquent le soleil et le soleil est vital pour nous est vital nous tombons en dépression sans le soleil les, euh, les chemtrails euh, l'être humain a besoin de soleil l'être humain n'a pas besoin de nanoparticules il faut sauver l'être humain avant d'être obsédé par la planète. Si jamais on vire et on arrête les manipulateurs, alors je vous assure. Alors que je vous assure que nous arriverons à sauver par la manière humaine aussi la planète. Alors, je, je vous mets... Euh, donc j'ai enregistré euh, avant-hier et hier. Donc je vous mets avant-hier. Regardez comment c'est beau. Regardez ce ciel, comment il est beau. Je vous assure, ça fait des années que je n'ai pas vu un ciel pareil. Donc ça, c'était avant-hier. Vous voyez que le soleil n'est pas masqué. Assis. Hum. Assis. Assis. C'est bien. C'est un bon chien, ça. C'est bien. Vous avez remarqué que le soleil n'est pas masqué alors que les chemtrails sont euh, toujours concentrés euh, côté soleil et là il n'y en avait aucun vous avez vu le beau ciel les vrais nuages comment vous avez pu durant toutes ces décennies ne jamais regarder le ciel et ne jamais remarquer qu'il y avait quelque chose qui clochait juste au-dessus comment est ce possible comment on vous a habitué à baisser les yeux et vous, vous étiez totalement euh, pris dans cette obsession de devenir riche. Et vous, vous, êtes, vous avez arrêté d'observer euh, le ciel, ce qui vous entoure. Comment est-ce possible Même vous, vous ne le savez pas. Donc là euh, je vous montre la vidéo d'hier où là on avait comme aujourd'hui un ciel dégagé, bleu, clair. Et il y avait un avion, c'est pour ça que vous allez me voir zoomer, il y avait un avion qui passait, mais un avion pas de chemtrails, un avion normal, parce que c'est ce qu'on appelle le Contrails, Contrails. Ça veut dire que à mesure que le nez de l'avion avance le trait euh, derrière euh, le suit il n'y a pas euh, une ligne qui persiste et c'est tellement donc euh, euh, c'est tellement comment dire euh, invisible que j'ai zoomé et je n'ai pas réussi à la voir cet avion donc c'est pour ça que vous allez me voir zoomer Regardez ce bleu magnifique, magnifique. Vous avez vu ce ciel? Parfait! Aucun défaut. Le ciel doit être en permanence comme ça. Il n'a jamais été comme ça durant les dernières années et même, je dirais, les dernières décennies. Euh, alors, ça, euh, donc, cette photo, je l'ai prise. La vidéo n'a pas très bien marché, mais euh, j'ai pris une belle photo. Donc, je vous. Je vais la partager avec vous. Voilà, cette photo est d'aujourd'hui. Un ciel parfait. Je vous assure que ce ciel-là, les jours, encore une fois, et les semaines précédentes, les mois et les années précédentes, étaient toujours euh, laiteux et saccadés de traits dans tous les sens. Je vous l'assure. J'ai même des preuves, des vidéos et des photos. Donc là nous avons trois jours merveilleux du jamais vu et euh, j'ai vu vos témoignages vous aussi vous remarquez que euh, il n'y a pas eu de chemtrade chez vous. Alors euh, un dernier mot euh, donc sur demain acte 20, acte xx, très important les amis. Et puis après, on se quitte. Alors, sur demain, tiens, je vais vous montrer les endroits où il faut pas aller. Ne perdez pas euh, de temps et d'énergie. Euh, soyez stratège. Suivez-moi. Donc là, c'est les endroits où il y aura les manifestations, euh, soi-disant déclarées, les manifestations système, on va dire. Donc place du Châtelet, euh, de place du Châtelet à Autrocadéro, donc c'est le tracé bleu, d'accord, et l'autre euh, de gare de l'Est à place de Varsovie, donc c'est le tracé orange, vous remarquez qu'à un certain moment les deux se rejoignent et finissent presque au même endroit. Donc euh, surtout n'allez pas sur des, ces deux tracés. Euh, donc euh, vous euh, manifestez que vous êtes gilet jaune, etc. Évitez ces tracés. Laissez-le, laissez-les faire leur, leur orchestration de merde. Euh, évitez encore une fois les Champs Élysées. Nous savons que c'est à eux. C'est pour faire leurs orchestrations. Les Champs-Élysées, euh, tout ce qui est Élysée, tout ça. Hein, il y a des, encore une fois toujours des gens mal intentionnés qui espèrent euh, faire peur à Macron en renvoyant encore des gens à l'Élysée, etc. Donc voilà, évitez ces trois lieux. Champs-Élysées, arc de, arc de triomphe, ces tracés-là. Ensuite, pour le reste, voilà ce que vous allez... Ce que vous devez faire, pour le reste, vous devez vivre normalement. Partout ailleurs. Mais avec le gilet jaune. Vous le mettez par-dessus votre tenue. Et vous sortez, vous faites les boutiques, vous, vous baladez, vous allez voir la famille en gilet jaune. Vous prenez le métro en gilet jaune. Vous prenez les transports en gilet jaune. Euh, c'est valable pour toutes les villes c'est valable pour la campagne c'est valable pour les ronds-points allez vous balader euh, faites des allers-retours euh, à la campagne euh, changez de ronds-points en permanence vous, le droit de circulation est garanti vous avez le droit de circuler circuler euh, si vous vous retrouvez en confrontation avec les forces de l'ordre que faut-il faire il faut obtempérer il n'y a Pas d'autre solution. S'il vous demande de reculer, vous reculez, mais vous, vous circulez ailleurs avec votre gilet jaune. Ce pas n'est pas sorcier. Il vous demande d'aller ailleurs, vous allez ailleurs. N'insistez pas. Pas de confrontation. C'est simple. Aucun usage de la confrontation. Zéro confrontation. Celui qui va à la confrontation n'est pas gaulois. Celui qui va à la confrontation n'est pas avec moi. Aucune confrontation. Vous foutez votre gilet jaune par-dessus votre tenue et vous allez là où vous voulez aller, vous vous baladez, vous vivez normalement, vous montrez que vous n'avez pas peur du terrorisme, vous vivez normalement et vous évitez la confrontation. Surtout ne vous retrouvez pas dans un groupe dont vous n'avez pas ni les tenants ni les aboutissants qui vont vous entraîner dans la, la, la gueule du loup. Vous, êtes, vous avez votre libre arbitre, vous êtes responsable. Quand vous voyez qu'il y a un risque de confrontation, demi-tour et vous allez circuler ailleurs. Si tout le monde met demain un gilet jaune, il n'y a pas besoin de se concentrer dans un lieu précis. Il y aura du jaune sur toute la France. L'idée, c'est ça. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut mettre votre un gilet jaune. Achetez-en deux, trois. Moi, j'en ai toujours d'avance. J'en ai un dans la voiture, j'en ai un... Dans son emballage, il faut un gilet jaune en permanence bien visible devant côté par brise. Bien visible, vous, vous ne bougez pas, il reste tout le temps là-bas dans votre véhicule. Si ce n'est pas déjà fait, beaucoup hein, on se croise, on le voit quand on se croise sur la route. Ça fait vraiment plaisir. On se croise, les véhicules se croisent portant des gilets jaunes à l'intérieur, c'est génial. Donc, si ce n'est pas fait, faites-le. Le 13h jaune, la minute jaune. Il s'agit à 13h tous les jours, sans exception, à 13h pétante, vous sortez votre gilet jaune, vous le mettez le temps d'une minute, le temps que les autres vous voient, particulièrement dans le métro, même si vous n'avez pas pré prévu de, faire, de prendre le métro. Si vous voulez une action militante et que vous ne travaillez pas, vous, vous n'avez rien à faire, si vous êtes une personne senior ou même jeune, si vous voulez une action militante qui ne coûte pas, des lacrymogènes, des coups de matraque ou autres ennuis tous les jours. Lorsque vous voyez que 13 heures approche, vous filez dans une rame de métro et à 13 heures vous le sortez, vous le mettez le gilet jaune pendant une minute et après vous l'enlevez. Voilà une action militante, euh, révolutionnaire, euh, efficace et qui rendra service à la nation. Et au peuple de France. Ça ne coûte pas d'y de, de, laisser un bras ou d'y laisser la vie. Je ne vous demande pas d'aller euh, prendre je ne sais quelle, quelle initiative euh, désastreuse. C'est simple. Faites-le. Femmes, hommes, jeunes, âgés, faites-le. Si vous voulez mener des révolutions, vous versez des larmes devant les films de révolution. Ben regardez, vous en y est, Faites-le. Soyez courageuse et courageux. Soyez vaillant et vaillante. Faites-le. À 13 heures tous les jours, un gilet, vous mettez le gilet jaune pour montrer aux autres et pour donner, hein, donner du courage aux autres. Allez, euh, je vous dis au revoir et on s'arrête là. Euh, Rapidement, euh, donc euh, bonne nuit et eh ben à tous ceux et toutes celles que, euh, que j'ai déjà vu, à mon avis. Donc, France Francis CH euh, dit de sur VK euh, dit Alexis Le euh, Garcia José euh, Olga Santos. Alors, euh, bonsoir des économistes de quelle année De euh, 2017 et effectivement qui a été créé en 2016 mais je ne pourrais pas lire ton nom. Euh, alors là tu m'as posé une colle. Euh, ton nom est illisible, c'est avec des caractères spéciaux. Euh, bonsoir et euh, donc bonne nuit à Rafik Toumi, euh, à Sir Marie. Euh Ensuite, Marie H.E., Nadège Régnier, qui d'autre Muriel Carminati, Sandra Cheratia, euh, euh, Juste Deverin. Tu dis, je croyais que c'était Attali et sa clique qui pilotent Macron. Oui, mais pas que. Euh, Hélène Canals, bonsoir et bonne nuit. Did Muslim, bah dis donc, t'es aussi sur YouTube, bonsoir et bonne nuit une deuxième fois. Ginette Riester, euh, bonsoir et bonne nuit. Ah oui, tu reconnais YoYo -Yo, Ginette. Simon Boucher. Et je crois que je t'ai déjà cité Assia euh, Marie. Oui, à demain, Inch'Allah. Est-ce que. Voilà. C'est très bien. Les amis, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain. Donc, euh, comme d'habitude, euh, bonsoir, euh, Ray Vax. On se retrouve demain, demain soir comme d'habitude pour le live de tous les jours parce que vous savez il en va aussi de ma sécurité bonne nuit tout le monde